Géographie, j'ai 18, séance 2. Go. Donc on continue sur la hiérarchisation en France, on est toujours sur la commune et tout ce qui a rapport à la commune, donc du département, de la région et de la France. Donc les représentants dans chaque territoire. Chaque commune de France, depuis les petites communes rurales jusqu'aux grandes communes urbaines, hein, les rurales sont les campagnes, c'est chez nous, et les urbaines sont les villes. Constitue une structure indépendante appelée collectivité locale. Elle est gérée de manière autonome par un maire, plusieurs adjoints et un conseiller municipaux, pardon. Un département, c'est donc un territoire plus vaste qu'une commune. Au-dessus de la commune, j'ai le département. Donc pour notre commune, c'est Fougueville. Le département, ça va être l'Eure. Il regroupe plusieurs dizaines ou centaines de communes, chaque département identifié par un nom. Donc nous, c'est l'Eure. Un numéro, les deux premiers du code postal, nous c'est 27. Le conseil général départemental s'occupe des collèges, des routes, des musées, des monuments que l'on trouve donc dans l'Eure. Pour nous, dans chaque département, le président de la République nomme un préfet qui siège à la préfecture de l'Eure, qui est, enfin pour nous, l'Eure, c'est Évreux. Notre département, comme tous les autres, fait partie d'une région. Donc maintenant, on est en Normandie, puisque la Haute-Normandie et la Basse-Normandie se sont regroupées en une seule région, qui s'appelle maintenant la Normandie. Chaque région possède un logo qui permet d'identifier et d'exprimer ce qu'elle représente. Ça, on le verra en éducation civique. Dans chaque région, le conseil régional a la charge des lycées, des transports, du tourisme, de l'environnement et de l'agriculture. Ça, c'est pour le document 3, les petites informations. Le document 4 et le document suivant, je vais vous demander de faire une recherche Internet. Donc, une fois que je vous les aurai présentés, vous coupez, vous faites la recherche Internet, vous essayez de remplir, et après, vous regardez la correction. Donc, le découpage du territoire et les représentants élus. Donc, nous, on a Fougueville, voilà, qui va donc être dans l'Eure, qui va être en Normandie. Donc moi, je vous demande de chercher sur Internet. Donc, j'ai dit dans le texte du dessus, commune, conseillers municipaux et maire. Le département, c'est les conseillers généraux, les présidents du conseil départemental. La région, conseil régional, le président du conseil régional. Du coup, moi, je vous demande de chercher sur Internet notre maire pour Fougueville. Je pense que ça, vous le savez. Notre président du conseil départemental et notre président du conseil régional. Donc, vous cherchez sur Internet. Une fois que vous avez trouvé ça, vous essayez de remplir le petit cercle. Je vais essayer de diminuer pour qu'on voit bien. Donc, voilà. Donc ça part du bas. Ma commune, comment elle s'appelle? Donc c'est Fougueville, dirigée par le conseil municipal et le maire. Vous mettrez le nom du maire, vous l'avez trouvé. Mon département, dirigé par le conseil général départemental et le préfet. Ma région, dirigée par le conseil régional. Et mon pays, qui est dirigé par le président de la République. J'ai mis à chaque fois les petits logos. Donc, vous essayez de remplir tout ça sur Internet. Une fois que vous avez, donc vous coupez la vidéo. Une fois que vous avez fini de chercher, je vais faire la correction. Donc pour la correction, notre maire c'est Didier Lemoine. Notre président du conseil départemental c'est Pascal Lehongre. Et notre président du conseil régional c'est Hervé Morin. Pour le cercle qui sont en dessous. Donc, ma commune, qui est dirigée par le conseil municipal et le maire, qui est Didier Lemoine. Mon département, l'Eure, le 27, conseiller général départemental, c'est Pascal Lehongre et le préfet Thierry Coudert. La région, la Normandie, dirigée par le conseil régional, Hervé Morin. Et la France, dirigée par le président de la République, Emmanuel Macron. Voilà pour cette leçon qui était très rapide, puisqu'on fait l'éducation civique en parallèle et qu'on fait d'autres exercices
en parallèle. La leçon, on l'a déjà écrite la semaine dernière, donc on ne la réécrit pas. Non, je croyais, mais non. C'est cette leçon-là, on ne l'a pas écrite. Donc la leçon, excusez-moi, je crois que c'était celle sur l'éducation civique, on a déjà écrit quelque chose. Donc les citoyens français élisent leurs représentants pour chacun des territoires, régions, départements, communes. Le président de la République nomme les préfets des départements et des régions. Notre maire, donc Didier Lemoine, notre président du conseil départemental, Pascal Lehongre, depuis le 10 juillet 2017. Notre président du conseil régional, Hervé Morin, depuis le 4 janvier 2016. Et donc, les élections futures changeront l'organigramme, bien sûr.